Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un jeu Mega Drive en cartouche. Là, on va tester la version cartouche, Batman Returns. Alors, il existe en cartouche et en version Mega CD avec des scènes supplémentaires qui utilisent le mode 7 et les rotations. Donc là, on va s'attaquer à la version cartouche. Donc, vous allez peut-être m'entendre pester à certains moments, parce qu'il y a des passages qui sont pas du tout évidents. On va vous laisser la petite démo et c'est parti, on partira juste après la démo. Alors c'est parti pour Batman Return. On va essayer de pas s'énerver, il y a des stages qui vont être franchement énervants. On va essayer de faire ça. Allez, c'est parti. Alors, vous pouvez déjà constater la cohésion des sprites. C'est assez approximatif. Les boss que vous rencontrez Catwoman, alors je vous conseille cette petite technique, à savoir vous défendre une étage à chaque fois. Ça va déjà remonter, dans ce temps-là elle est vulnérable. Alors là, elle va remonter, elle va être invulnérable pendant tout le temps où elle remonte. Voilà.
va la rencontrer plusieurs fois, Catwoman. La deuxième fois, ce sera un petit peu plus dur. Alors là, pour les boss, vous mettez sur les jambes et ensuite vous sautez sur les têtes. Là, c'est fait. Là, il y a une vie et des Batman cachés. Alors, hop. Thank you.
Alors là, il va vous falloir taper le pingouin tout de suite avant qu'il réagisse. Alors, ce qui n'a pas été fait là, vous voyez, alors il va revenir à taper. Il faut vraiment se déplacer. Alors, dès que vous le tapez, il va descendre, ce qui va vous permettre de continuer à taper sans prendre ses bombes. Mais prenez une grande marge de sécurité car le sprite, lorsqu'il se retourne, il vous touche. Une grande marge de sécurité parce que le sprite du pingouin quand il se tourne a une grande boîte de collision qui fait que ça vous touche sans vouloir. Vous avez vu, vous pouvez arrêter les balles avec vos coups de poing coupés. Alors là, pas de technique particulière, si ce n'est que je vous conseille les bombes fumigènes, ça vous évitera de gaspiller vos batarangs. Gardez le cœur qui est ici pour un petit peu plus tard. De vous sauver là tout de suite, voilà. Je suis en train de balancer un petit truc. On va essayer de prendre le cœur tout de suite. Voilà. Alors, moi ce que je fais, c'est que là me reste plus du coup de trucs, je me mets là. Il va reprendre une caisse et vous en profitez en sautant, ça scroll plus vite. Je ne sais pas si je descends plus. On va louper son coup, là, comme je viens de faire. Même chose, je vais entraîner de l'autre côté. Voilà, je vais le mettre dans cette position. Là, il prend un objet et vous vous sauvez. C'est vraiment le foutu, là. Autant ces gars peuvent faire des jeux super, autant, néanmoins, les boîtes de collision. Alors on va jouer à la sécurité, à savoir qu'on va se mettre de ce côté-là, voilà. On va le faire prendre la caisse là. Voilà, on va le faire tourner comme ça, voilà. Pour éviter de... si jamais on loupe votre coup. Ah, décidément, hein. Bon, c'est ça qui est un petit peu rageant. Thank you.
jamais réussi à tuer à la main, c'est les mecs avec les rollers. Sans me prendre de coups, donc j'utilise les batarangs. Le cœur qui est là. Faut se balancer et fermer. Utiliser la carte de Batman. Et bien sûr, faut. Voilà, un grand angle. C'est là qu'on va rencontrer Catwoman pour la deuxième fois. Vous allez voir que pour moi c'est un peu du pif. Joker pour fuir. Et là, même chose que tout à l'heure, à savoir, dès que le Joker apparaît, on le bastonne, on cherche pas. Sinon, vous lancez 10, vous avez vu, et c'est très chaud. Acte 3, j'ai horreur de cet acte.
Hop. Alors, un niveau redoutable, les égouts.
Bon bah c'est pas du tout ce que je voulais faire à l'origine, à savoir que je voulais sauter par le haut à droite et je me retrouve ici. Donc, on va falloir remonter sur un bord du feu pendant qu'il y aura d'énergie. Alors le stage, le boss, on va dire un peu chiant, ça va. On commence par détruire sa machine. Ensuite. C'est le stage un peu chiant, c'est parce que ça vous épuise vos gadgets. Alors, autre stage stressant. Bon, bien sûr ici, ça vise de partout. Thank you.
c'est ici que c'est un peu stressant. Il va falloir vous laisser tomber et vous accroupir tout de suite. Ah non, c'est pas ici. Là, il faut vous suspendre au dernier moment. Alors, on va essayer. C'est pas bon. Ah non, c'est au millimètre. Oh, et ça glisse super. C'est un stage super glissé, super stressant. Oh, c'est le pire stage du jeu, je pense. Oh là là là, bon bah on va utiliser un continuateur. C'est vraiment le stage le plus énervant. C'est dommage parce que je vais arriver peut-être au boss et... Alors vous avez vu que vous pouvez casser les missiles avec vos coups de poing. J'allais vous dire, essayez de pas vous faire toucher. Tous les rebords sont super glissants. De remonter par ici avec le grappin. Thank you.
restez dans le coin à droite. Voilà. Je vais vous accomplisser alors. Il va falloir faire descendre la barre du pingouin et casser la machine à refroidir du pingouin. Alors sachez qu'il y a toujours deux éclairs en suivant là. Voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait là. J'espère pas devoir recommencer, j'ai plus de vie. Maintenant Batman va remonter et il aura deux fins possibles. Soit vous battez Catwoman, soit vous la battez pas. Deux différentes fins. On va essayer de faire le mieux de ce qu'on peut. Donc même technique pour la première fois que vous rencontrez Catwoman, à savoir remonter. Alors attention toutefois aux givres. Avec les sauts. Et voilà, donc la bonne fin de Batman Returns sur Mega Drive en cartouche. À bientôt pour de nouvelles vidéos par White Shadow.